Oberleutnant, Rekrut Schmidt. Ihre persönliche Waffe. Meld mich ab. 687-614-B. Oberleutnant, Rekrut Wolken. Ihre persönliche Waffe. Meld mich ab. 687-614. La plupart des fusils d'assaut 57 remis actuellement aux recrues ne sont pas des armes neuves. Ces fusils d'assaut ont été rendus par des militaires libérés de l'obligation de servir ou qui quittent la Suisse pour se rendre à l'étranger. C'est dans la fabrique fédérale d'armes à Berne que ces fusils d'assaut sont remis à neuf pour ensuite être redistribués aux recrues. Ils ont alors les mêmes qualités qu'une arme neuve. Un fusil d'assaut ne peut en moyenne être révisé totalement que deux fois. Ces révisions et le besoin croissant de pièces de rechange sont toujours plus coûteux. On prévoit un manque d'armes au cours des années 90. À cela s'ajoute encore le nombre toujours plus grand de fusils d'assaut qui doivent être liquidés, faute de pouvoir être révisés en raison de leur mauvais état technique. Les derniers fusils d'assaut 57 sortis d'usine seront remis à la troupe en 86-87. On a renoncé à faire l'acquisition d'une nouvelle série de fusils d'assaut 57. À la fin des années 80, toutes les recrues ne pourront dès lors plus être équipées de fusils d'assaut 57. La tendance générale va vers une arme toujours plus légère, plus courte et donc plus maniable. La comparaison avec les autres armées nous montre que le soldat suisse est actuellement équipé du fusil d'assaut le plus lourd et le plus long. Le groupement de l'armement a chargé la fabrique SIG, Société industrielle suisse, à Neuhausen, et la fabrique fédérale d'armes à Berne, de développer chacune un nouveau fusil d'assaut et de fabriquer les prototypes. Après des essais à la troupe très approfondis, le fusil d'assaut mis au point par la fabrique SIG a été choisi comme nouvelle arme d'ordonnance de l'armée suisse. La fabrication du fusil d'assaut 90 a été répartie comme suit. Un tiers à la fabrique SIG, un tiers à la fabrique fédérale d'armes et un tiers à d'autres entreprises dans toute la Suisse. La précision d'une arme à feu dépend essentiellement de son canon. C'est avec une des machines les plus perfectionnées de la fabrique fédérale d'armes que se fait l'usinage de la partie inférieure du canon et de la chambre cartouche. L'extérieur du canon est usiné par ce tour sophistiqué. Pour l'usinage des parties importantes de l'arme, ici la tête de culasse, la fabrique SIG dispose d'un parc de machines comprenant les dernières nouveautés en matière de commande numérique avec système de mesure intégré.
Après avoir été contrôlé, les différentes pièces du fusil d'assaut 90 sont assemblées à la main. Le produit fini doit encore passer le test du contrôle du fonctionnement. Mit dem Entscheid für ein neues Sturmgewehr mit einem kleineren Kaliber ist auch der MFT der Auftrag erteilt worden, eine Munition dafür zu entwickeln. Die Zielsetzung war, zu erreichen von der gleichen Qualität wie bei der GP11, das heisst vor allem in Bezug auf Präzision. Das kleine Kaliber stellt relativ hohe Anforderungen als Ausgangsmaterial wie auch an die Einzelkomponenten, Geschoss und Hülse. Pour atteindre les normes de qualité requises, il a été nécessaire de recourir en partie à de nouveaux procédés et méthodes de fabrication. Des machines répondant aux dernières exigences de la technologie permettent d'atteindre un haut degré d'automatisation et une production rationnelle. La dispersion du fusil d'assaut 90 dépend des facteurs suivants. Qualité des munitions, précision de l'arme, aptitude du tireur. L'arme et les munitions doivent donc être soumises à différents tests de tir. Le tir avec le canon d'essai permet d'apprécier la qualité des munitions. La dispersion ne doit pas dépasser le minimum requis. Le tir au banc d'essai a pour but de tester l'arme. La dispersion sera plus grande. Les résultats de ces deux tests fournissent des données sur la précision du système d'arme. Quant au test avec le tireur, il fournit des indications sur la dispersion totale. Les tests ont déterminé les dispersions suivantes. Canon d'essai en largeur 12,5 cm, en hauteur 9,5 cm. Banc d'essai en largeur 13,3 cm, en hauteur 15,1 cm. Tireur en largeur 33,7 cm, en hauteur 23,8 cm. Les résultats obtenus correspondent aux exigences fixées par le cahier des charges. La force de pénétration du projectile a été testée lors des essais à la troupe. Sturmgewehr 90, die neue persönliche Waffe vom Schweizer Soldat, wiegt mit dem leeren Magazin nur 4,1 Kilogramm. Das günstige Gewicht erreichen wir durch Anwendung von Stahlpräge- und Biegetechnik für das Verschlussgehäuse und das Abzuggehäuse und durch den Einsatz von technisch hochwertigen Kunststoff für den Kolben, Pistolengriff, Handschutz und für das Magazin. Die truppenerprobte Waffe ist damit robust, handlich und leicht. Die ergonomische Formgebung ermöglicht ein problemloses Schiessen in allen Anschlagarten. Auch die Handhabungen und Manipulationen sind sehr einfach. Comparé au fusil d'assaut 57, le fusil d'assaut 90 est 10 cm plus court, voire 33 cm lorsque la crosse est rabattue. L'utilisation de pièces en matière synthétique réduit le poids total de l'arme. Armes et munitions sont notablement plus légères. Avec la dotation de combat de 120 cartouches, le fusil d'assaut 57 pèse 10,4 kg, alors que le fusil d'assaut 90 ne pèse plus que 6 kg. Les dimensions et le poids du fusil d'assaut 90 améliorent la maniabilité de l'arme. Il en résulte une meilleure mobilité du combattant.
Le fusil d'assaut 57 gêne passablement le soldat de montagne. Et c'est justement dans ce terrain difficile, lors d'engagements spéciaux, que le soldat peut apprécier les avantages du nouveau fusil d'assaut. Chez les grenadiers de char, la maniabilité de l'arme joue un rôle déterminant. En raison de ses dimensions, le fusil d'assaut 90 facilite le débarquement et l'embarquement des grenadiers de char. En outre, l'arme est rapidement prête au tir. Dans les fortifications de campagne et les abris étroits, une arme courte présente de nombreux avantages. Dès qu'il a touché le sol, l'éclaireur équipé du fusil d'assaut 90 peut immédiatement engager son arme. Il lui suffit de déployer la crosse. Pour le fusil d'assaut 57 par contre, l'arme doit tout d'abord être sortie du sac, puis remontée. En raison de son poids, 12,5 grammes au lieu de 27, la cartouche à fusil 90 facilite le ravitaillement en munitions. En outre, à quantité égale, le volume est réduit de 50%. Durch Umklappen vom Kolben kann die 100 cm lange Waffe um 23 cm verkürzt werden. Auch mit umgelegtem Kolben kann man schiessen. Zwei Beinstütze ist als Vorderstütze am Handschutz angebracht. Sturmgewehr 90 hat einen Druckpunktabzug. Mit dem Feuerwahlhebel kann man folgende Feuerarten einstellen. Einzelfeuer. Kurzfeuer mit dem Dreischussautomat. Und Seriefeuer. Zum Schiessen im Stand wird die Seriefeuersperre umgelegt. Zum Schiessen mit Fusthändchen wird der Abzugbügel ausgeschwenkt. Der Abzug ist trotzdem durch das Magazin und den Pistolengriff geschützt. Die Zielvorrichtung besteht aus dem Kamm und einer drehbaren Trommel mit einem offenen Visier und einem Diopter für die Distanzen 200 bis 400 Meter. Die Höhe und Seitenkorrekturen an der Visierung werden mit dem Schraubenzieher vom Sackmesser gemacht. Die Nachtvisierung ist im offenen Visier mit zwei Leuchtpunkten integriert. Der dritte Leuchtpunkt ist im aufklappbaren Korn montiert. Les installations de tir à 300 mètres peuvent être maintenues telles quelles. Il n'est pas nécessaire d'adapter les stands de tir aux dimensions réduites du fusil d'assaut 90. À 300 mètres, la précision du fusil d'assaut 90 est aussi bonne que celle du fusil d'assaut 57, voire même meilleure. L'effet de recul est plus petit avec la cartouche à fusil 90 qu'avec la GP11. Il en résulte de meilleures conditions pour le départ du coup. La diminution de bruit due au calibre des nouvelles munitions est un avantage pour le tireur comme pour l'environnement.
Sturmgewehr 90 ist ein Gasdrucklader mit Drehverschluss. Bei Schussbereitschaft ist der Verschluss geschlossen und verriegelt. Durch Druck auf den Abzug wird der Schlaghammer ausgelöst und zündet durch Schlag auf den Zündstift die Kapsel der Patronen. Durch den Gasdruck vom verbrennenden Pulver wird das Geschoss durch den Lauf getrieben. Sobald das Geschossheck die Gasbohrung in der Höhe vom Kornträger passiert hat, strömt Pulvergas auf den Gaskolben und drückt über die Gasstange den Verschlussträger nach hinten. Bei dieser Rückwärtsbewegung wird der Verschlusskopf gedreht und der Verschluss entriegelt. Während dem Verschlussrücklauf wird die Schliessfeder gespannt und die leergeschossene Hülse aus dem Patronenlager ausgezogen und ausgeworfen. Nach Erreichen von der hinteren Umkehrstellung bewegt die gespannte Schliessfeder den Verschluss wieder nach vorne. Gleichzeitig wird die nächste Patrone aus dem Magazin ins Patronenlager zugeführt. In der letzten Phase des Vorlaufs wird der Verschluss verriegelt. Sturmgewehr 90 ist wieder schussbereit. La piste de combat démontre que dans le terrain, le combattant équipé du fusil d'assaut 90 gagne notablement en rapidité. De plus, la silhouette du tireur en position est très petite. Magazine sind aus transparentem Kunststoff und koppelbar. Die Waffe kann sehr schnell nachgeladen werden. Nach Verschüssen der letzten Patronen bleibt der Verschluss in der Hinterumkehrstellung gefangen. Nachladen. Verschluss schliessen mit dem außenliegenden Verschlusshalter. Weiter schiessen. In Deckung! Pour le combat en forêt, la nouvelle arme est idéale à tout point de vue. Les déplacements de couvert en couvert et les mises en joue les plus difficiles se font avec rapidité et aisance. Zerlegung zur Reinigung ist sehr einfach und ohne Werkzeug möglich.
Beim Entladen kontrolliert man das Patronenlager. Ein Ladezeiger ist nicht vorhanden. Wir demontieren das Abzughäuschen. Ladegriff, der Verschlusskopf und der Verschlussträger. Der Handschutzunterteil mit den zwei Beistützen. Der Handschutzoberteil. Gasdüse, Gasstange mit den Schließfedern, und das Gasrohr. Und so ist die Waffe zerlegt zur Reinigung. En raison du poids réduit du fusil d'assaut 90, de sa maniabilité et de sa résistance à l'eau et à la saleté, il est possible de combattre même dans les terrains les plus difficiles. Zusammensetzen ist ohne Werkzeug möglich. Das Gasrohr, Gasstange mit den Schließfedern, Gasdüse, der Handschutzoberteil. Handschutzunterteil mit zwei Beistützen. Der Verschlussträger und der Verschlusskopf. Und der Verschluss in die Waffe. Der Ladegriff und zum Schluss Abzughäuschen. Dans le combat à l'intérieur des localités et des maisons, la mobilité joue un rôle important. Cette forme de combat met tout particulièrement en évidence les avantages du fusil d'assaut 90. Bien que cette arme ne pèse que 4,1 kg, elle est robuste et fiable. Zum Sturmgewehr 90 haben wir folgendes Zubehör: ein Putzzeug. Das Kampfmesser,
Ladehilfe. Sie dienen zum Abspitzen von der Munition. Die Ladehilfe ist im Pistolengriff versorgt. Das Zielfernrohr. Man kann auch eine Irisblende montieren. Mit dem System Sturmgewehr 90 und Gewehrpatronen 90 haben wir optimale Voraussetzungen für eine hervorragende Schussleistung. Faible poids, court et par là même maniable, faible recul, contribuant à une meilleure précision, système de visée simple, moitié du volume pour la même quantité de munitions, service de parc pratique. C'est ainsi que se présente le fusil d'assaut 90, la nouvelle arme personnelle du soldat suisse.